رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. L'état de droit et la bonne gouvernance selon la théorie de la méthode prophétique du professeur Abdusalam Yassine. Le premier droit de l'homme selon la méthode prophétique consiste à connaître, à la connaissance de Dieu et à avoir une foi sincère en lui. La méthode prophétique met aussi au premier plan la dimension économique de l'homme en décriant la montée galopante du matérialisme qui caractérise notre temps, qui est d'ailleurs la conséquence d'une philosophie bestiale et une civilisation barbare, favorisant une rude concurrence entre les riches et les pauvres du monde. La méthode prophétique a recours aux trois critères suivants. Un critère spirituel qui définit les fins dernières de l'homme. Un critère moral qui distingue la conduite de l'homme dans la société et la conduite des sociétés, des États dans le monde. Un critère de rationalité et d'efficacité qui doit régir les rapports de l'homme à la nature interne afin que l'économique et la technologique, support nécessaire et moyen, soient accordés au but de la fraternité sociale et propre à libérer chaque personne des nécessités matérielles pour lui laisser l'occasion et le temps de chercher à sa plénitude qui réside dans la recherche de Dieu. L'état de droit et la bonne gouvernance occupent une place très importante dans la théorie de la méthode islamique du professeur Abdusalam Yassine, qui retrace son projet de société pour la réalisation duquel il a mené d'âpres combats les droits de l'homme. Merci. Je vous remercie.